Merci, Madame la Présidente. Donc, si vous permettez, on va passer d'un sujet qui vient d'être traité, qui est médico-philosophique, à quelque chose de beaucoup plus pratique sur la manière, comment il faut arrêter la corticothérapie. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre beaucoup de choses, parce que les rhumatologues savent très très bien manier la corticothérapie, ils savent parfaitement comment l'arrêter. Mais c'est un sujet qui n'est pas beaucoup partagé avec un certain nombre de spécialistes, notamment avec nos confrères endocrinologues, qui sont très convaincus qu'il y a beaucoup de façons de... On passe à côté du risque d'insuffisance surrénalienne aiguë chez ces patients-là lorsqu'on arrête la corticothérapie de manière trop rapide. Et je vais parler surtout de la substitution des patients lorsqu'on commence à arrêter la corticothérapie, parce que nous, à l'hôpital, nous avons eu le privilège, en quelque sorte, de travailler en équipe dans un service où il y a des endocrinologues, et on a pu établir un protocole en commun, et on a appris beaucoup de choses avec eux. Mais je vais vous montrer ce qu'il en est de point de vue données scientifiques, et je vous laisse le temps de réfléchir et de prendre vos décisions vous-même. Alors, la corticothérapie, c'est une prescription qui est ahurissante. 1% de la population générale est sous corticoïdes un peu partout dans le monde, surtout chez des sujets âgés, avec une durée moyenne de corticothérapie qui peut aller au-delà de 3 ans. Et le risque ici, c'est qu'avec la corticothérapie prolongée, on arrive à un certain moment à arrêter la synthèse du cortisol au niveau de la surrénale, ce qui donne une insuffisance corticotrope. Et celle-ci risque un jour d'engendrer une insuffisance surrénalienne aiguë, de diagnostic vraiment très difficile, alors que c'est une urgence thérapeutique. Et c'est la raison pour laquelle professeur Mahraoui m'a demandé de faire une mise au point sur ce sujet. Alors, la corticothérapie, à un certain moment, le médecin rhumatologue va l'arrêter parce que l'infection est contrôlée ou bien parce qu'il voit l'extinction du processus de la maladie pour laquelle a été prescrite cette corticothérapie, chose de plus en plus faisable avec les traitements de fond et surtout avec l'avènement des biothérapies. Ou bien, parfois, on est amené à l'arrêter rapidement lorsqu'il y a un effet indésirable grave qui survient avec la corticothérapie, ou bien lorsqu'on est convaincu de l'absence de bénéfice de la poursuivre. Donc, ce sont les principales situations où la corticothérapie, on envisage de l'arrêter. Alors, le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on arrête la corticothérapie, c'est vrai, il y a un certain nombre de malades chez qui il y a une réactivation de la maladie, il y a une rechute. Mais pour d'autres, on peut être amené ici à être confronté à l'apparition d'un syndrome de sevrage. Je vais quand même présenter une petite diapositive sur ce syndrome qui est très peu connu. Et surtout, le déficit corticotrope peut donner parfois une insuffisance surrénale aiguë. Alors, situation clinique, donc ici je choisis le cas du pseudopolyarthrite rhizomélique où relativement il y a le protocole de la corticothérapie qui est plus ou moins cerné, où on va partir sur à peu près 15 mg par semaine et puis on va commencer à réduire la posologie des corticoïdes de manière très progressive, piloté par le syndrome inflammatoire biologique et bien sûr avec la clinique. Et puis à un certain moment, on va arrêter. Alors, les questions qui vont se poser ici, chez le praticien, c'est à quelle dose de corticoïdes s'installe le freinage de l'axe corticotrope? Alors, combien dure ce freinage après l'arrêt de la corticothérapie? Est-ce que l'axe corticotrope reste bloqué bien après l'arrêt des corticoïdes? Est-ce qu'il y a une différence de point de vue sémiologique entre insuffisance corticotrope et insuffisance surrénalienne? Alors, quels en sont les symptômes? Comment diagnostiquer ça? Et surtout, comment faire un sevrage en pratique pour bien sûr éviter la survenue de l'insuffisance surrénalienne? Donc, on va revenir un peu sur les mécanismes, sur de la physiologie. Bah, le cortisol, il est synthétisé au niveau du cortex surrénalien. Il y a une sécrétion optimisée qui répond un peu aux besoins physiologiques de l'homéostasie d'à peu près 20 mg par jour de cortisol. C'est ce qu'on synthétise à un état normal. Bien sûr, cette augmentation augmente, voire elle explose au moment du stress. Alors, ces 20 mg par jour, c'est l'équivalent de 5 à 7 mg de prédnisone.
et c'est l'équivalent de 15 à 25 mg d'hydrocortisone. Si bien, c'est pour la raison pour laquelle les endocrinos pensent que 5 à 7 mg de prédnisone est une dose presque physiologique, et au-delà, on parle d'une dose supraphysiologique. Et les 15 à 25 mg d'hydrocortisone, c'est à peu près la posologie de l'hydrocortisone qu'ils donnent pour la substitution pour arriver à une cortisolémie presque physiologique de 20 mg par jour. Alors, cette sécrétion du cortisol, elle est bien sûr contrôlée par la CRH qui est synthétisée au niveau de l'hypothalamus et de la CTH qui est synthétisée au niveau de l'hypophyse avec un rétrocontrôle que vous connaissez de manière certaine. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on prescrit les corticoïdes? Ben, moi, j'avais toujours l'impression que les corticoïdes agissaient en bloquant la synthèse au niveau du cortex. Mais en fait, c'est faux. Les corticoïdes ont une insuffisance surrénalienne qui est centrale. Le corticoïde, il bloque la synthèse de la CRH et de la CTH. Et ce blocage survient à partir de 5 mg par jour de corticoïdes. Donc, à partir de 5 mg donnés au long cours, on va bloquer la synthèse des hormones CRH et de la CTH qui vont aboutir avec le temps à une atrophie du cortex surrénalien. Donc, quand on a une atrophie du cortex surrénalien, on dit que le malade a une insuffisance corticotrope parce qu'il ne peut pas synthétiser du cortisol du fait que le cortex surrénalien est atrophique. Et lorsqu'il est exposé à un stress, quelle que soit sa nature, ici le problème c'est qu'il risque de faire une insuffisance surrénalienne aiguë, qui est une urgence thérapeutique. Alors, quelle est la prévalence de cette insuffisance corticotrope? Ben, elle est très variable, elle est très variable d'un patient à un autre. Et si vous faites, par exemple, des dosages systématiques de cortisolémie chez vos malades, vous trouvez à peu près un malade sur deux qui a une insuffisance corticotrope et les autres, malgré la corticothérapie, malgré la durée prolongée, malgré la posologie, n'auront pas cette insuffisance corticotrope et il est impossible à prédire à l'arrêt du traitement. Alors, comment est-ce que cet axe est bloqué? Il y a plusieurs facteurs qui bloquent cet axe hypothalamo-hypophyse surrénalien. C'est surtout l'équation posologie-dose. Plus la dose augmente, plus l'axe est bloqué et plus la durée augmente, plus l'axe est bloqué, si bien que, par exemple, 60 mg de cortensil bloque l'axe corticotrope pour une durée de 5 jours. Ou bien 10 mg ou 7,5 mg, ce qu'on a l'habitude de faire en rhumatologie, bloque certainement l'axe corticotrope. Il y a également un certain nombre d'autres éléments qui sont imputables à la nature du corticoïde, sa demi-vie, sa puissance, la fréquence et les modalités d'administration. Et vous voyez ici tout à fait en bas, ce sont les corticoïdes à demi-vie prolongée qui sont heureusement ne sont pas utilisés dans la pratique rhumatologique comme la dexamétasone et la bêtamétasone. Mais par contre, par exemple, le diprostène, une injection intramusculaire, ce que font par exemple les médecins généralistes, peut bloquer l'axe corticosurrénalien sur une longue période. Une seule injection, c'est ce qu'on fait par exemple dans les infiltrations intra-articulaires. Même les applications cutanées de corticoïdes, pour des patients qui sont par exemple qui ont un psoriasis ou un eczéma, peut bloquer l'axe corticosurrénalien. Et c'est encore partagé pour les corticoïdes inhalés, par exemple pour l'asthme. Alors les sujets qui sont exposés finalement à l'insuffisance corticotrope, ce sont des sujets qui prennent, pour les endocrinos, ça c'est la règle, plus de 20 mg, plus de 3 semaines. À partir de cette équation, on est dans un blocage. Plus de 20 mg par jour, plus de 3 semaines, mais également plus de 7,5 mg au long cours, ce qu'on fait par exemple dans la population rhumatoïde, et le fait de fractionner les posologies en prise matinale et vespérale. Ce sont peut-être la seule spécialité où on donne une petite posologie, notamment pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Ça, ce n'est pas peut-être une bonne chose, mais les endocrinologues n'aiment pas ça. Et puis, lorsque vous avez un patient qui a un syndrome de Cushing, soyez sûr et certain que vous êtes chez un patient qui a une insuffisance corticotrope. Alors, les sujets moins exposés, ben, c'est un peu l'inverse. Et le fait d'alterner la corticothérapie un jour sur deux, mais ce n'est pas possible, hein, chez les malades, ce n'est pas pratique de faire alterner, parce qu'il suffit d'arrêter la corticothérapie un jour, les malades, ils ont mal. Et le fait de réduire progressivement la corticothérapie à l'arrêt, c'est ce qu'on fait dans la pratique de tous les jours.
Alors, ce qui est important, c'est que lorsque on arrête la corticothérapie, le jour où vous arrêtez la corticothérapie, ben, la première chose qui va se libérer, c'est la CTH. C'est la CTH parce qu'il y a ce blocage central. Donc, c'est la CTH qui va se normaliser. Et il lui faut en moyenne 6 mois pour que la CTH se normalise. C'est à peu près, ça va être dans des fourchettes de 5 à 9 mois. Et la normalisation de la cortisolémie demande un peu plus, jusqu'à une année. Et puis, la normalisation de tout l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien demande un peu plus de temps, entre 12 et 18 mois. Mais le pourcentage des patients qui gardent une insuffisance corticotrope au-delà d'un an après la corticothérapie est relativement très très faible. Il est inférieur à 5%. Si bien que la plupart des malades ont une normalisation de l'axe corticotrope dans des délais relativement brefs, entre 3 à 6 mois. Et c'est la période qu'il faut gérer. C'est 3 à 6 mois après l'arrêt de la corticothérapie. Alors ça, c'est l'insuffisance corticotrope. Alors l'insuffisance surrénalienne. L'insuffisance surrénalienne, alors de manière globale, quelle que soit la nature de l'insuffisance surrénalienne, c'est une pathologie qui est rare. Les endocrinologues n'ont pas tout le temps dans leur consultation des malades qui ont une insuffisance surrénalienne. C'est 1 pour 10 000 pour la prévalence dans la population. Et de l'insuffisance surrénalienne secondaire, la pathologie la plus fréquente, c'est la corticothérapie dans les insuffisances surrénaliennes. Et l'insuffisance surrénalienne cortico-induite, dont a peur les endocrinos, c'est un événement qui est très rare. Alors, dans les études, par exemple, vous voyez ici, ça c'est l'incidence de l'insuffisance surrénalienne aiguë symptomatique chez des patients qui viennent d'arrêter la corticothérapie et qui viennent de subir une chirurgie lourde, par exemple une chirurgie cardiovasculaire ou la chirurgie viscérale, ben, il y a 0,015% en termes de fréquence. Ça veut dire qu'il y a eu, par exemple, un patient sur à peu près 7 000 patients opérés pour une procédure chirurgicale. Donc c'est quelque chose de vraiment rare. C'est vrai que c'est dramatique et ça justifie qu'on s'y intéresse. Et c'est la raison pour laquelle ça fait partie des préoccupations majeures chez les endocrinologues. Donc c'est très rare, mais c'est très grave. Et on va voir pourquoi. Alors comment est-ce qu'on va faire cette évaluation au moment où je vais arrêter le corticoïde? Comment je vais faire sur le plan pratique? Alors déjà, est-ce que je peux reconnaître les manifestations de l'insuffisance corticotrope? Alors ça, c'est vraiment très très facile, très très difficile, parce que déjà, la symptomatologie, elle est trompeuse. Et c'est des symptomatologies qui ne sont pas réunies. C'est une présentation qui est poussée symptomatique, qui est généralement l'essentiel du tableau. Le maître symptôme, c'est la fatigue. Et on sait que la fatigue, généralement, c'est le triste privilège de la maladie elle-même qu'on traite. Et pour l'arthrose rhumatoïde, généralement, il donne de la fatigue. Et même sur du point de vue paraclinique, il n'y a pas beaucoup de signes. Peut-être qu'il y a une hyponatrémie à peine visible sur les ionogrammes pour laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention, ou bien une anémie normochrome normocytaire. C'est des petits signes. C'est la raison pour laquelle il faut considérer que les malades, pendant les 3 à 6 mois, ils sont en insuffisance corticotrope potentielle. Par contre, l'insuffisance surrénalienne, ça c'est autre chose. L'insuffisance surrénalienne, ça c'est la maladie. En fait, c'est des patients exposés à un stress et qui n'arrivent pas à combler le besoin. Parce que je suis un patient normal, au moment d'un stress, on passe d'une sécrétion physiologique de 10 mg par jour à 300 mg par jour, qu'un patient n'arrive pas à faire parce qu'il a ses surrénales qui sont atrophiées. Et au cours des manifestations d'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est le fameux syndrome, l'état de mal abdominal émétisant et fibrile. Enfin, c'est des patients qui se présentent avec un abdomen pseudo-chirurgical, fièvre, hypotension, hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypercalémie, avec la déshydratation, et qui ont une urgence thérapeutique. Et dans la plupart des études que j'ai vues, il y a peu de médecins qui arrivent à faire le diagnostic de ce tableau clinique chez des patients qui viennent d'arrêter la corticothérapie ou bien qui gardent des petites doses de corticothérapie, même dans les centres d'urgence des hôpitaux les plus performants. Et je vais en parler tout à l'heure pour l'éducation thérapeutique du malade, parce qu'il fait une partie très importante, c'est que généralement, l'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est quoi le stress? Alors, en dehors de la chirurgie programmée, généralement, c'est des épisodes de gastro-entérite ou bien des épisodes fibrés.
quelle que soit la nature, une infection ou bien une déshydratation, une gastro-entérite, c'est ce qui déclenche le plus souvent, une insuffisance surrénalienne aiguë lorsqu'on est sous corticoïde. Alors, le diagnostic différentiel, pourquoi c'est des diagnostics qui sont difficiles à faire? Parce que vous avez le diagnostic difficile. Généralement, c'est la rechute de la maladie. On ne sait pas, lorsqu'un patient qui fait de l'asthénie, des arthralgies, des myalgies, est-ce que c'est la rechute de la maladie? Je dois réaugmenter la posologie de corticoïdes, ou bien c'est l'insuffisance corticotrope. Alors, tout ça peut être entremêlé avec les signes de l'hypercorticisme lui-même, parce que nous avons des patients qui ont une myopathie, ils ont des douleurs osseuses, de l'ostéoporose, parce qu'ils ont des fractures. C'est très difficile de faire le diagnostic. Et puis, le syndrome de sevrage, en fait, c'est l'effet psychostimulant de la corticothérapie, où il y a peu de littérature dans ce sens. Enfin, moi, j'en ai la persuadé, je suis persuadé qu'il y avait des malades chez qui on commence à arrêter la corticothérapie pour le sevrage, surtout lorsque l'on parle à l'avance, et ils commencent à vous dire j'ai de la fatigue, j'ai de douleur. Je crois que tout reprend alors qu'il n'y a pas de paramètre vraiment objectif de la rechute de la maladie. Alors, comment est-ce qu'on explore? Alors, l'exploration de l'axe corticotrope, elle est basée essentiellement sur deux paramètres, c'est le dosage de la cortisolémie basale, donc la cortisolémie faite à 8 heures, et éventuellement le test de sylactène, qui est un test dynamique dont je vais parler tout à l'heure. Alors, quand est-ce qu'il faut la faire? Alors, il faut la faire lorsque vous allez arrêter une corticothérapie prolongée, lorsque vous avez, surtout en rhumatologie, vous avez des petites doses qui ont été prises pendant longtemps et que vous allez arrêter, ou bien lorsque vous êtes obligé d'arrêter de manière brutale chez un patient qui fait un effet indésirable à la corticothérapie ou une infection intercurrente. Par contre, il n'est pas nécessaire de la faire lorsque vous avez un patient qui a reçu une corticothérapie brève, par exemple les posologies prescrites par les ORL, par exemple Soliprid, pendant 5 jours, 8 jours, ce n'est pas la peine de faire cette exploration, ou bien lorsque vous avez des patients qui prennent des corticoïdes à forte dose. Alors, si je reviens à mon patient, le patient à qui j'ai initié 15 mg que j'ai gardé pendant 4 mois, au quatrième mois, si je fais l'exploration, je vais trouver que le cortisol est bas et que tout est bloqué. Ça ne sert à rien de le faire. Il faut le faire au moment de l'arrêt. Alors, la cortisolémie, alors il doit être fait le matin à 8 heures. Si le malade était sous hydrocortisone, il faut qu'il fasse ce prélèvement avant la prise de l'hydrocortisone. Il y a certains laboratoires à l'étranger qui peuvent faire le cortisol salivaire, mais on l'a pas au Maroc. Cortisolémie de base, il coûte à peu près 310 dirhams dans la nomenclature marocaine. Et il n'y a pas d'intérêt à faire le dosage de l'ACTH ou du cortisol libre urinaire. À un certain moment, on faisait la cortisol libre urinaire, ça ne sert à rien. Et il faut retenir ces deux chiffres. Lorsque vous avez une cortisolémie inférieure à 5 microgrammes par décilitre, vous dites que la cortisolémie elle est basse. Supérieure à 13,2, la cortisolémie est normale. Et lorsque vous avez un patient qui a une cortisolémie supérieure à 13 microgrammes par décilitre, la fonction corticotrope est normale. À l'arrêt de la corticothérapie, peut-être il fait partie de ces moitiés de patients qui n'ont pas eu de blocage. Sinon, l'insuffisance corticotrope, il est défini par une cortisolémie inférieure à 5 microgrammes par décilitre, et entre les deux, on ne sait pas, il faut faire les tests dynamiques. Alors les tests dynamiques, alors ils sont en nombre de 4, le plus connu c'est le test au sylactène, mais le gold standard c'est l'hypoglycémie insulinique qui n'est pas faite de pratiques courantes quand on est vraiment des centres spécialisés et chez des patients hospitalisés, que je ne vais pas détailler, que vous voyez ici les protocoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais le test sylactène qui correspond à l'administration d'une partie de la CTH de synthèse, je vais stimuler uniquement le cortex surrénalien, alors que les autres, ils ont le mérite de faire la stimulation beaucoup plus haut, dans l'hypothalamus et dans l'hypophyse, il renseigne de manière beaucoup plus objective sur l'axe corticotrope. Alors, le test au sylactène, ça consiste à injecter une ampoule de 250 microgrammes d'ACTH par voie intramusculaire ou intraveineuse. On fait une cortisolémie avant et une cortisolémie à une heure après. Et puis, si vous avez une augmentation du cortisolémie après le test de sylactène à 550 nanomoles par litre, ou bien lorsque on voit apparaître une cortisolémie qui est multipliée par 2 par rapport à la cortisolémie de base, on dit que l'axe est fonctionnel. Alors, c'est ce qui est utilisé le plus. Les endocrinologues préfèrent peut-être de faire
un test plus physiologique, qui est le test synactène, à 1 microgramme, le low-dose test. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de conditionnement. Il n'y a pas, ça n'est pas commercialisé. Il faut faire des dilutions et on perd la qualité de ce test. Alors, pour les modalités de sevrage, finalement, je reviens à la partie pratique pour finir mon topo. Donc, le sevrage, il va être envisagé dans trois situations. Soit vous êtes obligé de faire un sevrage d'urgence, patient qui va être, enfin, subir une intervention chirurgicale, malade qui a un coma, une infection. Ça, c'est une attitude qui est relativement constitutionnelle, qui n'intéresse pas le rhumatologue au premier plan. Généralement, c'est géré par les anesthésistes. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces deux cas de figure, soit la maladie elle est traitée et que vous allez envisager d'arrêter la corticothérapie, ou bien lorsque vous avez des complications liées au corticoïde. Ici, c'est généralement les rhumatologues qui intéressent, mais malheureusement, l'attitude n'est pas très consensuelle. Et ici, il faut distinguer, bien sûr, ce qu'il faut faire devant l'insuffisance corticotrope. Là, c'est juste une anomalie biologique. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez une insuffisance surrénalienne aiguë, lorsque le patient est devant un stress? Alors, ce qu'il faut faire, deux choses: la décroissance progressive de la corticothérapie et d'autre part, la substitution. Alors, pour la décroissance de la corticothérapie, il n'y a pas quelque chose de consensuel à ce propos. Chacun est fait de sa manière, mais généralement, pour lorsque vous avez des posologies qui sont importantes, supérieures à 15 mg, il faut réduire d'environ 10% tous les 10 à 15 jours. Et puis, lorsqu'on commence à se rapprocher des 7,5 mg, il faut aller plus lentement, milligramme par milligramme, toutes les semaines. Mais chacun fait de sa propre cuisine. Donc ça, c'est la décroissance progressive de la corticothérapie. Je ne crois pas qu'il y ait un rhumatologue qui arrête de manière brutale la corticothérapie chez un patient qui reçoit ce traitement au long cours. Alors, pour la substitution de l'hydrocortisone, alors ici, c'est les endocrinologues qui instaurent cette façon de faire. C'est que lorsque vous arrivez à 5 mg de prédnisone, soyez sûr et certain que votre patient a une insuffisance corticotrope. C'est à ce moment-là qu'il faut faire de manière systématique de l'hydrocortisone. 20 mg par jour, 10 mg matin, 10 mg à midi par voie orale. Il y a certains qui proposent 20 mg par jour. Alors, ce n'est pas très partagé par les rhumatologues, ce qu'il faut substituer l'ensemble des patients. Pour le moment, il n'y a pas d'essai clinique dans ce sens. Il n'y a rien dans la littérature. Vous pouvez vous amuser à faire ça sur PubMed. Il y a zéro article à ce propos. Et ce n'est qu'après 2 à 8 semaines de substitution automatique qu'ils font le dosage de la cortisolémie pour voir est-ce que le cortex est opérationnel ou pas. D'accord. Alors, s'il est opérationnel, ils peuvent arrêter la substitution. Sinon, ils vont refaire ça. Ils vont faire une deuxième évaluation, 3 à 6 mois, et jusqu'à la récupération complète. Donc, je récapitule ça sous forme d'un organigramme. Donc, réduction progressive jusqu'à 5 mg de prédnisone. On commence la substitution, 20 mg par jour. D'accord, on peut aller jusqu'à 30 mg et pendant 2 à 8 semaines. Et puis je fais le dosage du cortisol. Je l'arrête. J'arrête la substitution si c'est normal. Je poursuis et je fais une réévaluation 3 à 6 mois. Mais si je suis entre la fourchette, entre les deux, c'est là où je vais faire le test de synactène. Ben, le test de synactène, soit j'ai une cortisolémie de base et normale, soit il va doubler à 2 fois la valeur normale. Je dis que l'axe est normal et j'arrête la substitution. Sinon, c'est une insuffisance corticotrope et je fais une réévaluation 3 à 6 mois. Enfin, dans le doute, c'est là où il faut discuter avec l'endocrinologue de faire un test hypoglycémique à l'insuline ou bien à la métopirone, mais c'est une situation qui est très rare. Donc ça, c'est pour l'insuffisance corticotrope. Alors, pour l'insuffisance surrénalienne aiguë, ça, c'est des choses pour lesquelles le rhumatologue n'est pas vraiment confronté. C'est beaucoup plus les anesthésistes lorsqu'il y a une chirurgie où le malade il est admis pour une affection intercurrente aiguë. Alors, ce qu'il faut retenir, vous voyez ici un tableau où il faut adapter la posologie de l'hydrocortisone en fonction de la nature du stress. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, ce qui est en rouge, c'est qu'il faut dire aux patients de doubler la posologie en cas de stress.
ça peut être une infection, une gastroentérite, de doubler la posologie. Et lorsque le patient est là, des troubles digestifs ou des vomissements, il faut qu'il s'injecte 100 mg d'hydrocortisone intramusculaire. Et ça, c'est très important parce que vous voyez par exemple ici, une entorse est un stress mineur qui peut par exemple être à l'origine d'une insuffisance surrénalienne aiguë, et il faut que le patient le sache pour qu'il puisse doubler la posologie de l'hydrocortisone. Alors, ce protocole, il a été validé par les endocrinologues pour des patients qui ont des maladies d'Addison. Alors, pour la corticothérapie, il y a peu de choses qui ont été dites à ce sujet. Et donc, je récapitule pour résumer. Donc, je reviens à mon patient. Alors, le moment où j'ai prescrit la corticothérapie à 15 mg pour sa PPR, je ferai l'axe hypothalamo-hypophyso-corticotrope jusqu'à ce que j'arrive à 15 mg, parce qu'à partir de 15 mg, il n'y a plus de blocage. Les corticoïdes, ils agissent tant que la corticothérapie est supérieure à 5 mg. Mais là, le malade, il est en insuffisance corticotrope, et qui va durer pendant longtemps, et je n'ai pas d'éléments pour prédire la durée de cette insuffisance corticotrope. C'est la raison pour laquelle je dois prescrire de l'hydrocortisone, et que je vais faire l'évaluation 2 à 8 semaines après le début de l'hydrocortisone, que je vais arrêter si je trouve que la fonction corticotrope est normale. L'éducation thérapeutique est importante. Un minimum, il faut que le patient porte sur lui une carte d'insuffisance surrénalienne. Ça, les endocrinologues, ils le font de manière systématique. L'apprentissage de l'auto-injection, le kit d'hydrocortisone qu'ils doivent garder sur eux-mêmes. Alors, pour conclure, je n'ai pas la prétention de parler comme Hissane Oumouchi qui a montré des études, parce que ça, je ne l'ai pas trouvé, d'evidence-based medicine. Alors, je pense que le point de l'endocrinologue, ils sont peut-être partis sur des choses beaucoup plus théoriques que pratiques. Alors, le risque reste vraiment très minime d'insuffisance surrénalienne. Alors, l'insuffisance corticotrope, quelle est sa prévalence? Ça, on n'en sait pas. Pas vraiment, est-ce que ça justifie de faire une substitution de manière automatique? Donc, je laisse le débat pour les questions, si vous avez des questions, et je vous remercie pour votre attention.